Une soirée un peu arrosée et hop, votre canapé, votre chemisier, votre tapis deviennent rouges. J'ai une bonne astuce pour enlever une tache de vin. Tout dépend de la matière, bien sûr. On va se concentrer sur le coton, hein, qui est la matière la plus répandue. Surtout, le grand secret, c'est de ne pas traîner. Une tache et hop, on agit, on enlève son vêtement, on frotte, on est efficace. Dans une casserole, vous faites bouillir du lait. Vous prenez une assiette creuse, vous posez votre linge sur l'assiette creuse, vous versez le lait et vous laissez reposer 30 minutes. Après 30 minutes, vous prenez du savon de Marseille, vous frottez. Maintenant, il ne reste plus qu'à le mettre à la machine. Et là, l'image parle d'elle-même. Si vous voulez enlever une tache de vin rouge sur vos costumes ou des matières en satin, rien de plus simple, vous prenez de la farine, vous saupoudrez sur la tache et vous laissez reposer. Cette tache disparaîtra à sec, sans que vous ayez besoin de mouiller votre vêtement. Et le mieux encore, c'est de ne boire que de l'eau. Ça ne tache pas et ça ne provoque pas de crise de foie. À bon entendeur. Si vous avez d'autres astuces, d'autres bons plans, par exemple, si vous savez comment faire disparaître le dissolvant sur un linge, je cherche encore, je n'y arrive pas, n'hésitez pas à rejoindre le comptoir de la débrouille et à partager toutes vos astuces sur ce groupe sur Facebook. Merci.